Le vieux garçon de café qui traîne discrètement ses pieds plats entre les pieds galbés des chaises sourit avec modestie en vous recommandant son petit Sauvignon de Mélan. La pureté tourangelle de son parler vous ravit. Il vous raconte en confidence qu'il est né à Loche et vous vous dites mélancoliquement que c'est là, sans doute, au pied du donjon redoutable et du portail de Saint-Ours, qu'il serait urgent d'aller cueillir la destinée. Le Sauvignon glisse en vous sa verdeur dorée, qui confère au temps qui passe une qualité presque d'éternité. La jeune fille se lève en soupirant, vous frôle comme un elfe, avant de disparaître. À la table qu'elle occupait, le livre abandonné se referme tout seul. Et sur la page de couverture, qu'éclaire un rayon de soleil tombé d'une lucarne de verre mat, vous lisez à l'envers le titre et le nom de l'auteur. Alain Fournier, le Grand Môle. Alors, vous levez à votre tour et vous marchez dans Paris. Poisson, poisson, je vous parle de ce pays des confins. Poisson, poisson, que l'histoire et la géographie, poisson, poisson, balance à situer en Champagne, en Lorraine ou en Bourgogne. Poisson, poisson, c'est le pays des vallées vives. Poisson, poisson, la tenance, le rognon. Poisson, poisson, le rue du Ruptou, le rongeant. Poisson, poisson. Terroir où les filles aux cheveux blonds cendrés sont peut-être les plus belles de France. Écoutez chanter les villages. Un coup d'un coup, Cirefontaine en Normois, Germisset, Guindrecourt aux Ors, Orquevaux, Saint-Urbain, Mâconcourt et Poisson. C'est à Poisson que vit mon vieil ami Camille, vigneron devant l'Éternel. Poisson, dont le vin fut oublié par le décret-loi sur les appellations. Poisson existe. Primeur. Je veux dire un mot des vins primeurs. Bien que j'ai toujours répugné à parler de ces breuvages, trop souvent bâtards, qui se déversent sur le pauvre monde en une sorte de déluge annuel. Mais si c'était réellement une catastrophe biblique, on ne pourrait accuser personne. Et Dieu lui-même, s'il existe, n'y serait peut-être pour rien, à moins d'avoir décrété dans son infinie colère de punir au cœur du bel automne l'aveuglement, le goût perverti, l'innocence coupable, que sais-je, du consommateur abusé, à supposer qu'il ne soit leur complice, par les marchands du temple à jamais enferrés dans leurs pratiques impures. Je vous parle des abîmes de Mia.
brillant. Dante, sans doute, a rêvé ce paysage dans l'automne tourmenté. De la montagne effondrée, semble jaillir un grand vent qui grince et tourbillonne. Elles exigent de l'homme un langage plus âpre, une pensée plus rugueuse. Je vous parle des abîmes de Lyon. Je vous parle d'un enfer sans flamme, un enfer glacé, que l'homme maigre et sec arrache d'âge en âge à sa nature d'enfer. Je vous parle des abîmes de Lyon. Je dois entretenir à mon corps défendant un faible incurable pour certaines enseignes. Par exemple, celle du café du commerce. À force d'avoir entendu dans la lumière jaunâtre et l'odeur un peu rance d'apéritifs démodés reconstruire l'univers et disserter de l'influence des lunes rousses sur les finances publiques, mon esprit volontiers brumeux s'est mis à couver une sorte d'inclination rudimentaire à l'égard des beloteurs du soir et du ronron mélancolique des tournées de Gros Rouge ou de Casanis. C'est ainsi qu'il y a peu, je passais par Tain l'Ermitage, un soir de Mistral et de Nostalgie. L'enseigne de néon rouge de l'hôtel du commerce, flambant au mi-temps de la grande route, déserte et noire, a sournoisement éclairé le champ douteux de mon inconscience. Et je n'avais pas compris encore que déjà je poussais la porte d'un bar surveillé par deux antiques matrones en chignon. « Si c'est pour dîner, voyez au fond à droite, et ensuite à gauche !» me signifia la première. La seconde de deviner du chef. Le décor moderne, criard et aveuglant, hésitait entre le style balnéaire et le stuc élyséen. J'étais donc à mille lieues de ce bon vieux café du commerce, dont je conserve le culte anachronique et vain. Tant pis, me dis-je, c'est moi qui ne suis pas de mon temps, mais il convient de garder haut les cœurs. Et je commande sans désemparer une bouteille de Crozes Hermitage blanc, ce qui paraît s'imposer à Tain l'Hermitage. Voici donc mon Clos des Mésanges, sa couleur de colza riche en engrais chimiques me fait sursauter. Ce nectar, négocié par le sieur Chat quelque chose, célèbre droguiste local, est censé rehausser la graisse livide d'une lamelle de terrine industrielle et la fécule d'une quenelle d'où la chair de brochet se trouve radicalement bannie. Y a-t-il du vrai vin dans la cave, jeune homme ? Vous savez, monsieur, c'est bien difficile maintenant de boire de l'honnête. Enfin, goûtez-moi cet ermitage, et si vous le trouvez mauvais, ma foi, je ne vous le compterai pas. J'ai goûté l'ermitage rouge, qui était violet, comme la vieille dame aux salades, et ressemblait à du vin par comparaison, si j'ose dire. Puis j'ai pensé, la prochaine fois, j'irai jusqu'à Tournon. Je connais là-bas, sur la petite place ombragée, un vieux café du commerce qui, enfin, vous me comprenez. Le rêve est une seconde vie, a justement observé Nerval. C'est le vin des longs silences et des grognements rocailleux au coin des comptoirs perdus. C'est le vin
des attentes sans secours et des amours sans retour. C'est le vin qui s'avale en ridant le front, comme on boit toutes les purges du quotidien martyr. C'est le vin baudelairien de tous les soliloques et de toutes les navrances. Le dernier sac d'écus dans les doigts d'un joueur, un baiser libertin de la maigre Adeline, les sons d'une musique énervante et câline, semblable aux cris lointains de l'humaine douleur. Regard louche, qui lève d'une main tremblante son ballon de sang noir jusqu'à ses lèvres, ignore que son geste est encore, malgré toute honte, un geste de poète. Merci.